sommes un réseau d'acteurs de la mobilité sur les territoires qui regroupe des plateformes de mobilité, des auto-écoles sociales, des garages solidaires, des vélo-écoles, des agences d'éco-mobilité. Et nous sommes en plein développement effectivement aujourd'hui et tous nos adhérents nous disent un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment un enjeu territorial de mobiliser l'ensemble des acteurs sociaux, économiques, politiques, de l'environnement pour travailler ensemble au quotidien. Donc un enjeu, on pourrait dire, d'animation territoriale, de gouvernance territoriale. Ça, c'est vraiment l'enjeu fort aujourd'hui pour tout le monde. Un deuxième enjeu, c'est de renforcer la place, la légitimité de nos plateformes de mobilité, de faire qu'on sorte de la juxtaposition de solutions et de services, mais que ces plateformes de mobilité trouvent des modèles économiques pérennes et qu'elles viennent jouer au-delà de l'apporteur de solutions ou de services des rôles d'animateurs territoriaux pour justement animer cet écosystème sur le terrain. Et puis le troisième enjeu pour nous, c'est un enjeu de professionnalisation des acteurs qui prend différentes formes. D'abord, faire émerger et reconnaître des métiers clés dans ce secteur, des métiers de conseiller en mobilité ou en écomobilité, des animateurs territoriaux et tous ceux qui accompagnent pour faire reconnaître le métier d'accompagnement à la mobilité de ces publics. Cette logique de parcours, d'accompagnement dans des parcours mobilité qui est vraiment au cœur de notre système. Autre enjeu de professionnalisation, c'est de disposer d'outils à hauteur des ambitions qu'on a aujourd'hui, d'outils d'évaluation, qu'est-ce ce que nous faisons sur le terrain, quels sont les impacts pour les individus, pour les personnes, en quoi ça les aide à évoluer, à progresser, à s'insérer, etc. Et puis également sur les territoires, quels sont les besoins non couverts, travail à faire sur l'observation des besoins territoriaux dont on a besoin. Donc vraiment, ce dernier enjeu de professionnalisation qui est quelque chose de très important pour nous.